Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Civilisation 6. Et tout de suite, donc, on a une mise sur écoute qui s'est terminée à Los Angeles. C'est pas mal. Donc, notre cher espion Benoît, c'est le meilleur de tous les espions, on va lui demander... Allez, tant pis, on tente. Tant pis, on tente. Notre tank, lui, non, il va... voilà. Toi, donc, pour le moment, tu restes sur tes gardes. Toi aussi, parce que c'est pas parce qu'on vient de signer la paix avec le Japon que... ouais, non, mais j'en avais envoyé deux. Non, c'est bien Benoît, je viens bien de lui donner une mission. Ok, route maximale augmentée. Ok, je peux avoir 7 routes commerciales maintenant, donc il va falloir que traité de paix négocié. Donc traité de paix négocié. Ok. Ah, c'était peut-être parce que j'étais en guerre aussi que je gagnais plus autant de... Donc, on a gagné Okoyama. Ah ouais. Ah ouais, sympatoche. Sympatoche. Le gars, il nous a cédé Okoyama, quoi. Donc, à Okoyama... Non, sérieux, on pourrait... Oh, ça serait marrant, ça. On pourrait la mettre où? Ah ouais, mais ça pèterait notre... Ouais, non, ça, c'est pas un gain. C'est pas un gain. Ok, alors on peut peut-être pas la mettre là parce qu'il faut que ce soit une plaine. Donc dans ces cas-là, ici, on va faire... eh bien, la limite un monument, déjà, pour commencer. Voilà, ça sera toujours ça de prix. À Nantes. À Nantes, on a un lieu sain, campus... Le campus est terminé, je peux plus rien y faire en fait. D'accord. J'ai fait une zone industrielle. La zone industrielle est complète, j'ai fait un spatioport. Du coup, pour le moment, je peux pas faire grand chose ici. Je ne peux pas faire grand chose ici. J'ai acheté une case. Ça coûterait 365 pour acheter cette case-ci. Qui sera à moi de toute façon dans 3 tours. Ouais. Ouais, c'est surtout cette case-ci qui m'intéresserait de gagner, mais bon. Parce que là, cette case-là, elle est à moi dans 3 tours, donc je vais peut-être pas l'acheter. Ce serait un peu bête. Ça serait un peu bête. C'est qui, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Donc à Nantes, à Nantes, à Nantes, à Nantes, on va envoyer un homme sur la lune. Voilà. Et déjà, tour suivant. Ah bah, faut croire. Ouais. Ah bah, c'était mes apôtres. Je me demandais qui c'était là-bas. Ah non, mais lui, il revient à la charge, quoi. Un tour avant terminer. Ça va être long, hein. Amboise. Amboise, Amboise. 5 sur 8. On va faire un campus ici aussi. Du coup, si on peut faire un campus, ici ça ferait du plus 1 en plus. Ça serait pas mal. Oui, un campus. À Okoyama, on va faire...
Bah, j'ai pas besoin de grand chose en fait ici, il y a déjà quasiment tout. Donc si je pourrais faire... Ah, des perles ici. Ah, du coup, on va faire un bâtisseur. Voilà. Envoyer un émissaire. Donc j'ai deux émissaires. J'ai Stockholm. Voilà, on va envoyer un émissaire. Et Palenque. On va envoyer un émissaire. Et on va confirmer. Voilà. Séoul déclare la guerre à Stockholm. Stockholm déclare la guerre à Edwige Première. Ah oui, c'est vrai que je suis encore en guerre avec elle. Je sais pas, tu voudrais pas faire la paix? Juste pour faire la paix? Bon, allez. Quoi, qu'est-ce qu'il Ich veut lui? verstore meine Feinde und ob ihnen helft, auch ich. Bah, il a pas l'air content. Bah écoute. Hein, tu crois que j'ai que ça à faire de penser à ça, mon gars? Pour le moment, j'ai tout un tas de villes à gérer. Et là, tu m'enquiquines un peu. Voilà, c'est dit. Donc ça, bah tout le monde fait la paix avec tout le monde, c'est bien, c'est beau la paix. Faites la paix, faites l'amour, pas la guerre. Et donc... Donc toi, tu veux toujours pas venir ici? Ouais, ça serait bien que tu viennes. Ok, tour suivant. Oh putain, c'est eux que j'ai pas reculé. J'avais pas vu qu'ils étaient revenus dans leur camp. J'aurais dû les bouger. Ok, ici, ça se cartonne toujours entre les États-Unis et Stockholm. Voilà, ils se mettent du dégât, ils se retranchent, ils se mettent du dégât, ils se retranchent. Ok. Ah, et puis ils m'ont fait un bateau ce coup-là. Bah écoute. Ah. Donc toi, déjà, tu vas te replier. Tu vas venir ici. Toi, tu vas venir me buter ce gars-là. Voilà. Et toi, tu vas venir me buter ce gars-là. Voilà. Toi, tu te retranches jusqu'à guérison. Allez. Tu Tour suivant. Ok. Merveille achevée. Construction de la rure. Ah bah j'ai bien fait de pas la commencer. Je l'aurais perdu quasiment aussi ça. Lui il fait quoi? Il m'attaque. Bah ça va, t'as du cran mec. Parce que là tu viens de te faire poncer. Hein. Je dis ça comme ça mais... Là tu viens de te faire poncer sévère là. Ok, ville affamée, ouais j'y fous, on le sait, mais ça va venir, on va faire des champs, t'inquiète mon gars. T'inquiète mon gars, Toulouse. Toulouse, Toulouse. Toulouse. Subvention pour le campus, non ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre on peut faire...
On peut faire... Ouh, 4 sur 14 habitations, c'est tout. Ok. Bon, c'est pas énorme. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de cases à... Bah non, pourtant, on a exploité énormément, énormément de cases. Bon, bah du coup, on va faire ça, hein. Voilà, choisir une production à Belém. À Belém, on va faire un laboratoire de recherche. Voilà, au niveau habitation, on doit être pas trop mal à Belém. 12 sur 17, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est parfait ça. C'est parfait ça. Ensuite, donc toi mon gars, tu vas revenir en territoire nôtre, on va dire, et tu vas soigner tes blessures. Ensuite, tour suivant. Voilà, notre apôtre est parti à Houston. Donc toi. Venir là. Déjà tour suivant. Ouh, vache. On passe vite les tours là. Et lui, il se régénère pas bien vite par contre. Falloir que je vérifie, je l'avais peut-être pas mis en... Ah si, plus 15. Et rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. Technologie du futur, c'est fait. Donc, nouvelle techno. Étant donné qu'on n'a plus que ça. Contact trouvé. Ok, donc ça, c'est vu. Contact trouvé. Donc mon gars, maintenant je veux que tu leur sabotes leur fusée. Voilà. Hop. Alors. Ça sonne à la porte, il va falloir que je fasse pause. Je reviens tout de suite. Ok, donc on reprend où on en était, excusez-moi. Donc pour vous, ça sera pas long, hein, ça sera histoire de juste le temps de la coupure, quoi. Et voilà. Alors, du coup, où j'en étais? J'avais une production à choisir pour Bordeaux. Parce que j'ai fini ce bâtisseur. Parfait. Donc, à Bordeaux. À Bordeaux. Je sais pas quoi en faire, j'ai fait un bâtisseur, je sais pas quoi en faire. En fait, c'est complètement débile. Mais c'est pas grave. Bah du coup, ce bâtisseur, on va l'envoyer à Belém. Il y a plein de cases vides à Belém. On va pouvoir faire 2-3 trucs. Hop. Donc toi, bah tu vas venir ici, mon coco. Et on va quand même choisir une production, ça serait bien. Donc soit un lieu sain, un campus. Ouais, mais un campus, je saurais pas trop où le foutre en fait là. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est qu'un campus ici, j'ai pas vraiment des masses d'endroits où le mettre. Donc du coup, ça serait. J'ai été obligé de faire deux quartiers résidentiels ici. La vache. Ah ouais, mais maintenant je suis à 10, 27 aussi d'habitation. Donc ça va, ça le fait. Ça va, ça le fait. Non, hein, ici, pas grand-chose à fabriquer. Donc du coup, je pense qu'on va faire
Construction de bombes A, non. Non, des unités, pour le moment, j'en ai pas des masses besoin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un autre négociant. J'en suis à combien? 5 sur 7. Donc oui, je peux faire un négociant facilement là. Toi, tu te retranches jusqu'à réparation. Toi, tu peux attaquer ces gens-là, non? Non, si je te mets là, tu peux les attaquer. Non. Si je te mets là, tu peux les attaquer. Non, c'est trop tard. Rouen manque d'activité. Rouen un gros manque d'activité. On pourrait faire, je sais pas, peut-être quand on aura fini le campus, on pourra voir à ça. Donc merci de patienter les gens. Voilà. Prenez votre mal en patience, vous regardez la télé. Ou mieux, vous regardez YouTube. Voilà, ça vous occupera. Ensuite, tour suivant. Donc j'ai mon apôtre. Où est-ce que tu es, apôtre? Ah bah tu es à Houston. Nécessite d'être en territoire allié. Et Houston n'est plus. Ah non, c'est pas mon allié, Houston. Bon bah c'est pas grave, on va propager. Ah mais il y en a déjà un sur trois. C'est pas grave, propageons quand même. Voilà. Tour suivant. Dénonce les actions malveillantes de l'Amérique. Ils sont tellement malveillants, ces ricains. Ok, ici on a enfin notre bâtisseur qui va pouvoir nous faire. Donc, on va commencer par. Non, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait. Ici, est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit champ, une petite ferme? Non, on ne peut pas faire de ferme. On peut planter des bois. Ouais, mais je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Donc du coup, tu vas aller me prendre ça. Ça sera bien ça. Ensuite, ici. Pourquoi tu m'as envoyé à Gifu? Ok, on pourrait faire un complexe de loisirs. Une place du théâtre. Une zone industrielle. Le bois disparaîtra. Hop là. On va faire un quartier industriel. Ça va nous occuper pendant quelques tours. Donc voilà, maintenant ici, j'avais fait un bâtisseur. Bâtisseur que je vais envoyer. Eh bien, ici. Voilà. Et on va choisir. Une nouvelle production. Et on va faire. On va faire. Ah ouais non, ici si je veux faire, il faut déjà que j'expurge leur religion à eux. Donc
Du coup, j'avais pas un inquisiteur quelque part qui traînait. Genre ici. Voilà, donc toi, mon gars, tu vas venir à Aokoyama, mon gars. Voilà. Et on va choisir une production, on va faire un moulin à eau. Voilà. Et t'es déjà bien développé sa ville quand même, hein. Mais il s'est grave étendu lui, hein. La vache. Ok. Ensuite, on a un apôtre qui se trouve à Houston qu'on va envoyer à Cincinnati. Voilà. Et une fois à Cincinnati, il va propager notre religion. Voilà. Hop. Suivant. J'ai toujours ces barbares qui me polluent la vie là, mais j'ai des unités qui arrivent en renfort, ça va faire mal. Voilà, boum. Voilà, ça c'est fait. Non mais. Et ça c'est des lance-roquettes et ça. Ah non, c'est mon infanterie mécanisée. Je me disais bien aussi, merde, c'est bizarre ça. Ok, ici, notre bâtisseur. Ah bah non, c'est pas encore mon tour. Tour suivant, voilà, tout le monde fait son tour. Moi, on est peut-être plus trop amis. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ok, il y a encore un village de barbares qui a pop quelque part. Non mais c'est pas vrai ça. Où est-ce qu'ils ont popé ces barbares. Bon, j'espère que c'est pas dans mon territoire parce que j'en ai marre des barbares sur mon territoire. Ça commence à devenir relou. Ça commence à devenir relou. Ok, donc toi, si mettons je te dis de t'attaquer à lui, ouais ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc tu vas plutôt, voilà, propager la foi. Ici, infanterie mécanisée, bah toi tu vas revenir sur notre territoire. Ça sera pas mal. Là, tu pourrais revenir là, par exemple. Ensuite. Ah bah c'est déjà tour suivant. Ok. Bon bah tour suivant alors. Hein. Ok, mon bâtisseur qui se trouve ici, donc bah oui, tu nous fais ça mon gars. Tu nous fais ça direct. Tour suivant. Tout le monde bouge. Tout le monde agit, tout le monde fait des choses. C'est bien, c'est qui eux? Ah c'est l'Égypte. Ok, on en est où dans les points de. Ok, pour l'instant j'avance bien, mais eux ils avancent aussi. Donc, choisir une production. Okoyama. 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 Qu'est-ce qu'on va faire à Okoyama? Okoyama, on va faire un réseau d'égouts. Voilà. On a un destroyer, un bâtisseur, pardon, ici, qu'on va déplacer, eh bien ici. Ça va nous faire à nouveau des ressources.
Toi, tu restes en état d'alerte. Toi, tu peux aménagement recommander station balnéaire. On peut faire une station balnéaire. C'est une case de combien? Époustouflant. Eh bah écoute, station balnéaire, mon gars. Toi, mon apôtre. Voilà, tu prêches notre si gentille et délicieuse religion et t'as fini. Ok, c'est pas grave, on en fera un autre au prochain tour. On en est où? On en est où? D'accord, j'ai pas relancé le chrono, donc du coup ça va dépasser encore. C'est pas grave! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va falloir qu'on augmente notre science. Il faut qu'on augmente notre science à fond, à fond, à fond, à fond. Où j'en suis? Où j'en suis? Ça, c'est un négociant du Brésil, c'est cool. Tour suivant. Pourquoi j'attends? L'Allemagne dénonce les actions de l'Amérique. Ok, tout le monde fait des mauvaises actions, c'est pas bien. Les hommes. J'aurais dû me douter que vous n'hésiteriez pas à m'espionner bassement. Rappelez vos espions sur le champ. Toutes mes excuses, je vais mettre fin à mes opérations. Au revoir. Ok. Suite à l'engouement de votre peuple pour le suffrage et les changements, gouvernement débloqué. On a la démocratie. On pourrait changer. On pourrait changer. Nous, on est en théocratie et on pourrait changer pour la démocratie. Non. Le fascisme, j'ai pas, et le communisme, j'ai pas. Par contre, ça me donnerait plus de cases d'armée, mais bon, en attendant, je pense qu'on va essayer un petit peu la démocratie. Voilà, donc projet pour la course à l'espace, ça, on va laisser. On va essayer de tripler le tourisme. Quoique. Bonus de proximité 100% pour les plateformes commerciales et les ports. Ok. Bonus de proximité pour les campus. Ça peut être pas mal. Ensuite, en production des espionnages 25% plus rapide. Arsenal démocrate. Plus de nourriture, plus de production aux autres villes. Alors ça peut être bien. Et du coup, 50% pour les unités aériennes des aires modernes et atomiques. J'avais pas un truc pour l'entretien, voilà. On va plutôt garder ça pour l'instant. Confirmer les doctrines. Et voilà. Ok, ici mon gars, bah tu me fais une ferme. Voilà. Ici, toi mon gars. Tu nous as fait notre station balnéaire. C'est très bien. Maintenant tu vas venir ici et tu vas nous prendre cette ressource. Ok, on va pouvoir choisir un nouveau dogme. Totalitarisme. Hop. Choisir une production à Toulouse. À Toulouse, le campus, il est à fond. Ok. Ok. Alors là, j'hésite. J'hésite, j'hésite. J'hésite. Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette ville? Et où pourrais-je le faire? On pourrait pas faire un...
Une place du théâtre? Non, j'ai pas de casque qui irait avec une place du théâtre. C'est dommage. Faut dire que je crois que toutes mes casques sont utilisées et bien utilisées dans ce coin-là. Quartier résidentiel. On est à combien? 4 sur 14. J'ai pas vraiment besoin de ça. Un aqueduc. Ouais, ça me ferait détruire une autre case. Du coup, on va faire un réseau d'égouts. Et voilà. Choisir un moyen de fuir. Ok. Il a échoué et il s'est retrouvé derrière les barreaux. Ah ah, zut! Quel boulet cet espion! Habitation insuffisante. On est à 19 sur 19 ici. À Paris. Donc, ce qui serait bien, ça serait d'envoyer un bâtisseur. Alors, est-ce que je pourrais pas en acheter un avec de la foi des fois? Ma foi. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas en acheter un avec de l'or. Je n'ai pas assez d'or. Ah bah si, j'ai assez d'or, mais je peux pas. Je peux pas, il veut pas. Il me dit non mais non. Non, non, mais non, ça va. Les bâtisseurs, non, non. Tu peux plus en acheter, t'en as déjà trop sur ta map, mon gars. Donc tu te calmes tout de suite. Ok, donc on va voir. Habitation insuffisante à Paris. Habitation insuffisante à Okoyama. Déjà? Oh la vache, ils se reproduisent comme des lapins ces Japonais. Non, je déconne, hein, c'est... Et mon espion qui a été capturé. Ok, tour suivant. Donc j'espère que l'autre a moins boulet. Est-ce que ça m'ennuierait? Et qu'il arrivera à saboter la fusée des Japonais. Voilà, choisir une production. Du coup, ici, j'ai fait un port. Zone industrielle. Spatioport. Spatioport, ça prendrait 65 tours. Et puis j'ai pas de case pour les faire en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il est bien gentil de me proposer des... Mais ouais, ces cases-là, si je peux pas les acheter à tous les coups, c'est parce que... Ah, mais l'autre, il m'a pris la case, quoi. Il s'est carrément étendu Stockholm, mais il m'a carrément pris ma case, quoi. Et mais Stockholm... Il commence à m'embêter, Stockholm. Il me bouffe les cases qui m'intéressent, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Oui, donc du coup on en était à Bordeaux et à Bordeaux en Floride, on ne sait pas quoi fabriquer, on ne sait pas quoi faire. Donc du coup 19 tours, ça risque d'être long, on va refaire un négociant. Voilà. Ici, on a un négociant qu'on va envoyer à Washington, Baltimore. Washington, tiens. Ouais, ça nous fera des ressources et tout ça, et ça sera pas mal. Ensuite, unité en attente d'ordre. Donc toi,
T'es à fond en santé, c'est ça? Donc bats-toi, mon gars. Ah, pour le moment, tu vas rester là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu peux revenir te stationner au centre-ville? Bah écoute. Voilà. Toi, du coup, j'ai assez de sous pour t'améliorer. Ok. Ça m'a coûté cher. Fou la vache! Mais ça en valait la peine. Tu restes en état d'alerte. Ici, toi, mon gars. Tu vas nous faire une petite fermette ici aussi. Toi, mon gars, tu vas nous faire une petite mine ici. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va essayer de faire un théâtre dans le coin. Ce serait pas mal. Puis ça nous en ferait un. Tour suivant. Où en sont les Ricains, là? Du coup, ils m'ont pris mon espion. Mon inquisiteur, il est où? Où es-tu, mon gars? Tu es à Okoyama. D'accord. Et tu vas donc faire de la suppression d'hérétiques, mon gars. Voilà, tu nous supprimes tous ces hérétiques. Voilà, tour suivant. Ici, on va faire un quartier résidentiel. Vous êtes stupides et bêtes, votre peuple doit savoir la vérité. Quoi? J'occupe une de tes villes, mais j'en occupe pas une, mon gars, j'en occupe trois. Et encore, tu me les as données toutes les trois. Donc tu veux quoi? Que je te les rende en cadeau? Mais tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mec! Mec, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude! Y a pas moyen! Y a pas moyen! Ok, où en est-on? Qui a déclaré la guerre à qui? Cassius Belli, vous avez gagné un Cassius Belli pour déclarer une guerre sainte à Hojo Tokimune. D'accord. Ouais, non, mais là, ça va, la guerre. Là, j'aimerais bien booster un petit peu mon air technologique parce que... Oh là là. Voilà, quoi. Ils sont tous en train de me pourrir et... Et du coup, il va être temps que... Il va être temps que ma bomba se termine. Voilà. Voilà, il faut vraiment que je booste ma science, quoi. Si je veux faire la victoire scientifique, ça va de soi, mais c'est celle où je pense que j'ai le plus de points, si vous voulez. Parce qu'en culture, je suis... pas du tout. Fuite d'ensemble en victoire scientifique, je suis troisième apparemment. Victoire culturelle, ah je suis repassé premier en deuxième en victoire culturelle, d'accord. Deuxième en victoire militaire. Religieuse. Voilà. Militaire, j'ai zéro capitale capturée. Il faudrait que je capture leur capitale. C'est là. C'est quoi ça? D'accord, j'ai pas de touristes extérieurs qui viennent chez moi en fait. Donc là. Là, ça commence à être chaud, quoi. Là, ça commence à être chaud, quoi. Donc, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose si je veux obtenir cette victoire. Donc, eh bien, je vais vous laisser juste à la fin de ce tour. Donc, j'ai une unité en attente d'ordre. Lui, il va nous faire un petit campement ici. Ça sera bien. Lui, il va nous faire une petite plantation. Voilà, ici, ça sera super. Magnifique.
Magnifique, on a notre inquisiteur qui va supprimer les hérétiques. Voilà. On a notre char qui va se déplacer. Non, il va rester là, il est bien comme ça. Hop. Voilà. On a un constructeur ici qui va nous nettoyer. Cette case pour que je puisse faire un théâtre, je pense, à moins que je le déplace ici. On va voir, on va voir. Je vais voir où est-ce que je peux coller un théâtre ici. Il va falloir attendre 10 tours. Ok, ça bouge, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ouais, et puis non. Non. Non, non. Non, non, non. Tu me donnais quoi déjà? Tu me donnais ça pour avoir ça et ça, et puis tu me donnais en plus voilà. Non, ça me saoule. Voilà, t'avais qu'à accepter. Pierre II du Brésil a déclaré la guerre à Ojo Kitune. Gandhi, oh, c'est cool ça, ils ont tous déclaré la guerre. Ah bah ça y est, ils sont tous en guerre. C'est bien. Faites donc ça les gars. Comme ça vous allez me foutre la paix pendant ce temps-là. Amitié terminée. L'amitié qui me liait à Cléopâtre est terminée. Alors, allons voir Cléopâtre. Déclarons notre amitié, très cher. Merci, très cher. C'est toujours un plaisir de faire un accord avec vous. D'ailleurs, ne serais-tu pas intéressé par un petit peu de maquillage? Voilà, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ça. Ok, cool. Bah écoute, allez, vas-y. Voilà. Elles ont toujours besoin de maquillage, pas de souci. Les Cléopâtre, c'est... Le campus, on va lui faire une bibliothèque. Voilà. Et ici, on va venir bourrer les hérétiques, là. D'où ils viennent, ces hérétiques? C'est qui? C'est des catholiques. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces hérétiques? Et à Palenque, là, on a des hérétiques aussi? Oh, mais c'est pas bien du tout, ça. Oh, mais c'est pas bien du tout, ça. Il est où, mon inquisiteur? Mon inquisiteur, il est là. Et il est en train de faire le ménage. Voilà. Supprime-moi tous ces maudits hérétiques. Voilà, ça, c'est bien, ça. Belém. Belém, Belém, mon gars. Mon gars, tu vas te mettre en sommeil pour le moment. Ici. Ici. Non, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait. On a beaucoup de bois autour quand même. Hein. Du coup, mon gars, tu vas plutôt revenir par ici. Voilà, ça c'est qui? L'amitié qui nous liait, ça c'est réglé. Ça, eux, on sait, ils se font la guerre, c'est bien, ça nous arrange. Ok, tour suivant. Ok, toi tu te mets en état d'alerte. Tour suivant. Ça bouge beaucoup là quand même. Hein. 19 tours. On n'a encore pas assez de points de science. Il faut que j'apporte plus de points de science. Hein.
Du café et des thunes par tour. Allez, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dû me douter que... Ah merde, il s'est fait choper aussi. Et merde. Donc, ping. Échec, je vois. Ok, mes deux espions ont été capturés, ça craint. Ça pue, ça. J'ai un négociant qui se trouve où? Donc déjà, votre espion a échappé aux autorités et sera de retour dans votre capitale dans 4 tours. Ok, il aura échappé. Vous allez bientôt remporter une victoire culturelle. Votre culture domine toutes les civilisations. Oh, sérieux? Bah écoute. Domination, vous avez attiré suffisamment de touristes pour que votre culture devienne dominante chez l'Allemagne. Oh bah alors? Bah si je m'y attendais. Comment est-ce possible? Toi, tu vas m'acheter. Ah non, je peux pas, j'ai pas de lieu sain à cet endroit-là. D'accord, parce que lui, il est déjà en train de me renvoyer ses prophètes là. Donc du coup, à Toulouse, avec de la foi, je devrais pouvoir acheter un inquisiteur. À Paris. Avec de la foi, je devrais pouvoir acheter un inquisiteur. Voilà, et les gars, au prochain tour, bah, vous allez partir faire votre boulot. Ok, unité en attente d'ordre. Qui est en attente d'ordre? Ok, donc toi. Toi. Tu vas aller à Nantes. Voilà, ça fera de la prod. Ensuite, on en est à 6 sur 7. Du coup, tour suivant. Le totalitarisme, ça progresse. Tout progresse et il va être temps de mettre fin à l'épisode parce que j'ai encore salement dépassé là. Encore un épisode qui va dépasser les 30 minutes, ça commence à être bourrin. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Mais d'où ils ont popé ces barbares? Mais vous êtes sérieux? Mais d'où ils ont popé, quoi? Ville affamée. Ok, bon, fin de l'épisode. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Civilization 6. Allez, gros bisous tout le monde, à demain.